D'une incertitude complète cachée par le mur de Planck, l'univers semble naître d'une inflation titanesque qui refroidit toute matière et énergie la composant. Cette réorganisation créa les atomes, puis les nuages, puis les étoiles, les systèmes et enfin les galaxies. Sur un de ces systèmes, à la surface d'une petite boule de roche refroidie déjà depuis longtemps, des microbes ont embrassé l'évolution et deviennent poissons, singes et humains, qui, victimes de l'évolution, apprivoisèrent et créèrent le feu, le métal et le béton, et dans un élan de dégénérescence, la guerre, la pauvreté et Pokémon Écarlate et Violet. Bon, plus sérieusement, ça fait déjà 2 mois que le DLC 2 de Pokémon Écarlate et Violet, le disque Indigo, est sorti, apportant enfin une conclusion à ces jeux. Ou peut-être pas vraiment finalement. Et contrairement à son prédécesseur sorti quelques mois plus tôt, il a vraiment réussi à me hyper. A tel point que j'ai décidé de passer 100 heures dessus afin de me faire un avis définitif, mais surtout pour capturer un maximum de shiny, on ne change pas les bonnes habitudes. Ah, et avant de commencer cette vidéo, je ne vais pas vraiment parler du scénario, mais il y aura quand même d'autres petits spoils, donc voilà, vous êtes prévenus. Bref, laissez-moi vous emmener à mes côtés lors de cette découverte du disque Indigo. Comme tout bon début de DLC, je me suis donc rendu à l'Académie Orange, où j'y ai rencontré un mec un peu louche, elle est pas mal la blague, mais qui disait venir d'une autre académie près de Unis. Et moi quand on me parle de 5G, bah j'en oublie tout le reste. Donc j'ai suivi, je me suis envolé avec lui à l'Académie Myrty. Une fois arrivé là-bas, j'ai croisé une meuf random encore plus bizarre, qui avait la flemme de me faire le tour de l'académie, mais après l'avoir démoli, elle et son équipe, à l'aide de 2 go critiques, elle a enfin accepté de me montrer la toute nouvelle zone où j'allais passer la majeure partie de mon temps, le dôme Terra Cristal. Ah mais d'ailleurs vous l'avez probablement remarqué, mais... Oh la musique! Mais la musique des combats, c'est des remixes des combats de la 5G, cool. Bon, maintenant que j'étais en fin de mouvement, j'allais enfin pouvoir commencer les choses sérieuses en chassant Métalosse shiny. Bah oui, vous vous attendiez à quoi? Mon Pokémon préféré revient enfin, et vous pensez que je vais aller me casser les pieds à suivre l'autre là pour participer à un cours OZEF où le but c'est capturer un vieux Pokémon d'Alola? Bien sûr que non, d'abord j'ai des nouvelles zones à explorer, des nouveaux Pokémon à capturer, et surtout des Métalosse shiny à chasser, oui, des Métalosse. Parce que 1 c'était pas suffisant, donc il m'en fallait au moins 6. Et vous vous demandez peut-être, mais pourquoi 6? Eh bien la raison est très simple. Après avoir jeté un rapide coup d'œil à la carte, j'ai décidé de me diriger vers la zone de glace, car c'était dans ce genre de climat que se trouvait Terral sur épée bouclier. Mais c'est pas pour autant que ça m'a empêché de faire le tour des autres zones et de voir quel Pokémon j'avais vraiment envie de chasser. Oh y'a un Libégon sauvage, oh y'a le Métalosse, et au contraire lesquels allaient très vite me saouler. Y'a que du Hédin par contre, c'est quoi ça? Mais surtout, c'est à ce moment là que j'ai appris ce qui allait être ma plus grosse déception de ce DLC. Alors y'a quelqu'un qui vient d'envoyer un message sur le Discord, apparemment les légendaires seraient shiny lock. Alors j'imagine que c'est que ceux de l'histoire genre Terrapagos, mais je pense et j'ose espérer que c'est pas le cas pour les anciennes générations. Spoiler alert, c'était pas le cas. Tous les légendaires sans exception sont shiny lock. Jamais j'aurais pensé qu'ils auraient fait ça tellement ça paraît stupide, mais bon apparemment faut jamais sous-estimer Game Freak. Tant pis, même en ayant perdu la moitié de ma hype et après avoir déboursé le peu d'argent qui me restait dans des Pokéballs, le moment était enfin venu de chasser ces Métalosse shiny. Oh, y'a Terral! Faut rappeler que ce Pokémon là a le taux de capture d'un légendaire. Oh, j'ai capturé First Ball! Vit dans les grottes, vit dans la zone polaire, après rarement. Et avec un sandwich de type psy, brillance, insigne et rencontre. Alors, et normalement, y'a que du terrain qui spawn, je pense. Y'a que du terrain qui spawn. Oh, y'a du métang aussi! Le reflet, c'est horrible par contre. J'ai l'impression qu'ils sont tous shiny en fait, c'est ça le truc. Ça, c'est ce qu'on appelle du gameplay de DLC. Je vis que pour ça, hein, là maintenant. Non, c'est un des. Sans et y'a le métang shiny qui apparaît! Je m'y attendais pas! J'étais en train de regarder en bas en mode est-ce qu'il y a pas un symbiote shiny? Ah merde, faut que je le tape de dos, plutôt, non? Oui, métang shiny! Et voilà! Et regardez-moi cette magnifique team de Métalosse shiny, littéralement. Regardez-moi ça! Y'a 6 Métalosse shiny! Le premier membre de ma team dans la poche, il était enfin temps d'avancer sur l'histoire et découvrir un peu plus toutes les nouveautés que pouvait proposer l'académie, telles que le Synchrotone qui permet de prendre possession de n'importe lequel de ses Pokémon et de se déplacer avec. Mais après avoir vu énormément de gens fail des shiny en l'utilisant, j'ai juste décidé de jamais y toucher. Il y a aussi bien sûr le club de la ligue où on te donne dès le début le charme stabilité pour aucune putain de raison. Waouh, merci mec! Mais surtout, on y trouve l'ordinateur du club qui permet de faire plein de trucs cool en échange de points Myrty ou PM pour les intimes. Attends, mais d'ailleurs, c'est moi où l'ordinateur est bien sur un bureau de la marque Flexispot, le sponsor de cette vidéo. Il y a environ 1 an et demi, je me suis malheureusement blessé le dos en travaillant. Et même si ça va beaucoup mieux aujourd'hui, eh bien j'en garde malheureusement quelques douleurs. Puis surtout, entre temps, je me suis mis à faire des vidéos sur YouTube, et par conséquent à passer beaucoup plus de temps assis devant mon bureau pendant des heures sans changer de position. Genre pour, je ne sais pas moi, par exemple, passer plus de 300 heures pour faire une vidéo qui a plus de 1 mois de retard maintenant. Et donc quand Flexispot m'a contacté pour me proposer de tester un de leurs bureaux assis debout, bah j'ai tout de suite accepté. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Flexispot est une marque proposant une large gamme de bureaux électriques tous plus ergonomiques et confortables les uns des autres. Comme par exemple le modèle EC5 qu'ils m'ont justement envoyé pour l'occasion. Et je dois dire que j'étais agréablement surpris. Déjà parce que ça présente beaucoup d'avantages, qu'importe votre âge et que vous ayez ou non des problèmes de dos, rester H24 dans la même position, c'est jamais bon. Et rien que le fait de passer régulièrement d'une position assise à une position debout, ça aide énormément votre corps. Même chose pour ce qui est de la concentration. Plusieurs études ont prouvé que l'utilisation d'un bureau assis debout permet d'augmenter la productivité. Et pour quelqu'un d'aussi distrait que moi, surtout lorsque je fais du montage, et bah c'est juste parfait. Au début j'avais quand même un peu peur de sa stabilité, vu la hauteur à laquelle il peut monter et avec le nombre de trucs que je peux mettre sur mon bureau des fois. Mais non, même avec tout ça, il reste quand même extrêmement stable et peut même supporter jusqu'à 160 kg. Et si malgré tout ça ne vous suffit pas comme raison pour sauter le pas, eh bien dites-vous qu'en plus de ça, leurs meubles sont entièrement fabriqués à partir de matériaux recyclés ou facilement recyclables. Donc en plus de penser à votre santé, vous faites en même temps un geste pour la planète. Vous pouvez également profiter de moins 5% sur votre bureau grâce au code EC5 Flexispot. Tous les liens vers les produits et leur boutique Amazon sont dans la description. Bref, merci encore à Flexispot d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et sans plus attendre, on y retourne. Bon alors du coup, qu'est-ce que c'est les points Myrty? Eh bien c'est une troisième monnaie unique à l'académie qu'on peut obtenir après avoir complété certaines activités. Alors je sais que c'est un système qui a été beaucoup critiqué à sa sortie, mais perso j'ai bien aimé. Le farm bête et méchant de ressources dans les jeux vidéo, c'est un truc que j'apprécie beaucoup en général. Par contre, il faut quand même qu'on parle des incohérences en termes de difficulté. En gros, il existe trois types d'activités. Des activités bleues, simples à faire mais qui donnent peu de PM, t'en complètes 10 et bam, en bonus tu as une activité rouge plus compliquée mais qui rapporte plus de PM. Et si t'en complètes plusieurs comme ça en multijoueur, paf, une activité jaune à réaliser à plusieurs, mais celle-là on s'en fout pour l'instant. Bon, laissez-moi vous donner un exemple. À gauche, une activité simple, capturer un Pokémon d'un type spécifique, soit. Maintenant à droite, une activité compliquée, prendre une photo d'un Pokémon d'un type spécifique. ok, un autre exemple. Une activité simple, mettre KO 10 Pokémon en envoyant son Pokémon en avant. Pas très fun vu comment la mécanique est buggée, mais pourquoi pas. Maintenant une activité compliquée, laver son Pokémon. Bon alors je vous rassure, j'ai pris les exemples les plus flagrants, puis de toute façon pas le choix, il faut en faire pour avancer dans l'histoire, et même ça permet d'explorer un peu plus la map en même temps et de découvrir d'autres Pokémon comme Doudouvet, que je me suis bien sûr empressé de chasser et d'ajouter à l'équipe. Bienvenue Solar le Farfaduvet. Et d'ailleurs tant que je suis dans la zone côtière, tenez, c'est cadeau. Vous l'avez compris, j'aime vraiment cette musique. Tout comme la zone qui est ma préférée des 4 si on les prend dans leur entièreté. Par contre, si on parle d'un endroit bien spécifique, je pense que ça serait plus ceci. Cet endroit, en plus d'être une référence claire à la réserve naturelle dans Noir 2 Blanc 2, on y reviendra plus tard, ne vous inquiétez pas, possède parmi les meilleurs spawns qui lui sont exclusifs, tels que Arco, Hermure ou encore Cranidos. C'est un de mes fossiles préférés. Sur Pokémon Go, c'est mon seul chromatique avec 100% d'IV, il a un shiny absolument incroyable, je ne pouvais juste pas ne pas le mettre dans mon équipe. Je vous présente donc Tête à Crack, troisième membre de la team. J'étais tellement excité d'avoir que je suis directement parti chercher le membre suivant, Libégon. Même pas 10 minutes après avoir commencé le DLC, je savais déjà que j'allais le chasser à coup sûr. Donc c'est ce que j'ai fait. Bienvenue à toi Libégoul. Bref. Pour en revenir aux farms de PM, pourquoi en avoir besoin d'autant alors qu'il en faut genre 150 pour toute l'histoire? Et bien tout simplement car les starters qui reviennent enfin dans le jeu ne sont pas directement disponibles dans la nature, et que pour les débloquer il faut acheter une amélioration au club de la ligue pour la modique somme de 3000 PM par zone. Donc x4, ça nous fait un total de 12 000 pour tous les avoir. Bon, j'ai pas fait tout ça sans objectif non plus, hein. Déjà, ça m'a permis de débloquer le membre suivant de la team, Gobu, disponible à l'intérieur du dédale des torches dans la zone côtière. Bienvenue dans l'équipe Norgal. Mais j'ai aussi fait ça tout simplement pour chasser tous les starters en shiny, ce qui a pris beaucoup de temps, mais que je ne vais pas vous montrer ici car j'en ai déjà fait une vidéo dédiée, que je vous invite donc à aller voir. Maintenant, il ne me manquait plus qu'un dernier membre pour compléter la team. Sauf que contrairement au précédent, bah, je n'avais absolument aucune idée de qui prendre, même en regardant le Pokédex. J'ai bien essayé Zébiberon et Zeblitz, mais ça m'a tellement saoulé que je suis parti chasser Hermure, mais après avoir vu à quel point il était visible dans le jeu, j'en ai eu marre et j'ai finalement décidé de vous laisser choisir entre deux Pokémon qui pourraient y rentrer. Il y en a deux que j'ai envie d'avoir là actuellement, qui sont dans la même zone. Ok, attendez, bougez pas, je vais faire un sondage, je vais pas vous dire quel Pokémon c'est. Alors c'est deux sandwichs différents. Ouais, non, vas-y, on va dire que c'est le 2 qui a gagné. Miaouss shiny, exactement Félix. Le numéro 1, c'était le classe, le numéro 1. Et le numéro 2, et bah je vous laisse deviner. Essayez de deviner avec les ingrédients du cookie. C'est encore Métalosse, exactement. On va chasser un 7ème Métalosse. Mais c'est un Pokémon normal, ce n'est pas Chanchidou. Oui, Mathis, c'est ça. C'est exactement ça, Porygon. Porygon Z, en vrai, j'adore le Pokémon. Par contre, je pense qu'il va me faire une apparition massive. Bon alors, c'est parti. Hop, allez-y. C'est quoi cette facilité? C'est l'apparition massive la plus simple que j'ai jamais eue. Allez, c'est parti. 63, yes. Alors, est-ce que la zone... Oh, déjà. Ok, c'est arrivé rapidement. Il est insane le shiny en vrai. Un des meilleurs shiny de la première génération, il y a pas d'autre mot. Regardez-moi ça. Bam. Oui, J'adore ce Pokémon. Bienvenue dans la team Made in China. Mon équipe enfin complète, il était enfin temps de s'attaquer au gros du morceau de ce DLC, le conseil 4. Et en plus, comme le hasard fait extrêmement bien les choses, l'apparition massive de Porygon était littéralement juste à côté du premier membre que je voulais battre. Et comment vous dire que je n'étais absolument pas prêt. Déjà, quand le combat commence et qu'en face t'as un Libégon hors bobby qui te met un énorme point feu, et que derrière ton pouvoir lunaire ne met même pas la moitié de la vie du Dracolos grâce à son talent, et qu'en plus il one-shot ton propre Libégon à l'aide d'une cryo-pirouette juste après, et ce même avec 20 niveaux de moins, ça annonce tout de suite la couleur. On est que tour 1 et j'ai déjà pris plus cher que lui. Vraiment, c'est trop bien. Avoir des Pokémon en face qui soient strat et qui donnent un vrai challenge, ça change tellement des combats d'arène habituels fades et sans saveur, où t'as le meilleur Pokémon de l'adversaire qui ne possède que 2 attaques. Et non, c'est pas un edit, c'est vraiment comme ça dans le jeu. Il y a vraiment plein d'autres petits trucs et de gimmicks comme ça pendant les combats, et ça montre à quel point ça a été bien pensé pour une fois. C'est probablement même un des meilleurs aspects du DLC, j'espère vraiment qu'ils vont garder ça pour les prochains jeux, et pas que pour du contenu additionnel ce coup-là. Bref, je ne vais pas aller plus loin pour ce qui est de l'histoire, mais je vais quand même me permettre de dire que ça m'a pas mal déçu. C'est pas le seul truc qui m'a saoulé, mais je m'attendais par exemple à ce que la zone 0 soit un peu plus approfondie, vu que c'était un de mes aspects préférés du jeu de base, mais non, à la place on a une nouvelle zone sans profondeur, qui est juste là pour allonger la durée de vie de l'histoire pour rien, et je ne vois juste aucune raison d'y retourner plus tard. Mention spéciale quand même à la scène cachée avec Terrapagos qui m'a vraiment surprise, et aussi au nouvel aspect de l'écran de démarrage juste après, bien plus calme avec son coucher de soleil, indiquant vraiment la fin d'une aventure, et que je trouve bien plus belle que celle proposée de base par le DLC. Bon, c'est pas tout ça, mais il me reste encore beaucoup d'heures à jouer. Et pour ça, quoi de mieux que de découvrir le farm de PM en multijoueur? C'est complètement pété. Tout le monde peut compléter les activités des autres en même temps que les siennes, et en plus de ça, en compléter une fait gagner des PM à tous les joueurs en même temps. C'est tellement plus rapide qu'en solo, c'est un truc de fou. Et les activités jaunes dont j'avais parlé tout à l'heure, bah elles sont plutôt cool et fun en vrai. Bon, sauf la recherche des blocs métamorphes qui devient une purge si jamais personne n'arrive à trouver le dernier bloc pendant une demi-heure. Et en plus, ils sont pas Shiny Lock! Et d'ailleurs, fun fact, est-ce que vous saviez que lorsqu'un joueur fait apparaître un Pokémon en multijoueur, et qui s'éloigne suffisamment pour le faire des spawns, même si un autre joueur se trouve juste à côté de ce Pokémon, il disparaît quand même? Moi non, et voilà comment je l'ai découvert. Oh, cool fish! Non? Oh, c'était pas le mien, je crois. J'ai vu un cool fish d'issue shiny, je crois que tu l'as fait des spawns. Oui, c'était bien shiny. C'était bien shiny, oh non. Et je l'ai vu, j'étais en mode waouh, OMG un shiny, et il a des pops instant. Non, en vrai, c'était quand même un peu drôle. Bon, maintenant, plus qu'à être responsable avec cet argent et tout débourser d'un coup. Déjà, go essayer le menu Myrty qui, pour la modique somme de 150 PM, vous donne une aura de brillance de niveau 1 pour tous les types. Pas mal. Perso, j'ai trouvé ça plus utile pour faire des apparitions massives, mais c'est aussi un bon moyen si vous voulez augmenter vos chances de tomber sur un shiny en vous baladant. Ou si vous galérez à trouver des épices secrètes, ça fonctionne aussi. Mais surtout, la plus grande utilité au PM, et probablement la plus pétée au passage, c'est ce petit bijou de technologie made in Unova. Vous n'avez plus d'argent, oh non, mais vous aimez beaucoup en avoir. Oh oui. Je vous présente donc l'imprimante à objet. Ses seules limites? Aucune, à part celle de votre imagination et qu'elle ne peut pas s'imprimer elle-même. Sinon nous n'aurions plus de business plan. Contre de simples ingrédients fraîchement chassés, fraîchement récoltés dans la nature et une modique contribution de PM à chaque utilisation, l'imprimante à objet sera la solution à tous vos problèmes du quotidien. Vous n'avez plus assez de protéines pour préparer votre Pokémon au prochain raid 7 étoiles? Pas de soucis, l'imprimante à objet peut vous en imprimer. Besoin d'éclats Terra Cristaux pour changer le type de votre magnifique Pokémon stratégique? Vous serez surpris de voir la vitesse à laquelle l'imprimante à objet vous en fournira. Vous vous êtes fait virer de votre job et votre femme vous a quitté à cause de cela? Mais dis donc, chez l'imprimante à objet possède 4 stades d'amélioration. La forme Pokéball d'origine, la forme Superball pouvant de temps en temps imprimer vos objets en double, wow, la forme Hyperball proposant parfois d'imprimer une large variété de balls, allant de la simple Pokéball à la Master Ball. Et enfin la forme Master Ball vous proposant parfois d'imprimer une large variété de balls, mais moins cher. Vous serez vraiment surpris de voir tout ce qu'elle peut vous proposer. Vous n'avez pas encore d'imprimante à objet chez vous? Mais alors, qu'attendez-vous? C'est ridicule! Bon, maintenant que l'argent n'est plus trop un problème, est-ce que ce ne serait pas le moment de chasser un des très peu nombreux Pokémon ajoutés par ce DLC? Et ce Pokémon, je pense qu'il va surprendre personne vu qu'il a été révélé très tôt dans les trailers, c'est Pondralugon, évolution de Duralugon après lui avoir donné un métal composite. Et oh merci, y a pas besoin de l'échanger avec. Sinon, d'un point de vue design, c'est juste un pont en fait. On a littéralement un Pokémon pont maintenant, what? Bah, du coup, hâte de voir son évolution entourée Falugon pour le remake de X et Y en 2027, hein. Mais par contre son shiny, quel glow-up comparé à sa sous-évolution! Ça au moins ils l'ont réussi! Un des autres secrets que cache le DLC et qu'absolument personne n'attendait, c'est le fait qu'il est possible d'y obtenir un ancien Pokémon fabuleux. Je sais toujours pas comment quelqu'un était capable de trouver ça vu comment la méthode est bizarre, mais laissez-moi vous montrer. D'abord, rendez-vous dans la zone côtière, plus précisément juste ici. Là, vous allez trouver des genres de petits buissons tout fins, et en vous mettant sur celui-ci, vous allez commencer à voir des feuilles voler autour de vous. Maintenant, tournez 10 à 15 secondes sur vous-même dans le sens des aiguilles d'une montre, ouvrez votre appareil photo, mettez le filtre sépia, et tout d'un coup, Même si la méthode d'obtention est tellement obscure qu'elle a l'air encore moins crédible que la rumeur du Miaouss sous le camion de Carmin-sur-Mer, ça reste le genre de petit easter egg qu'on apprécie voir dans des jeux Pokémon, et qui en plus de ça, permet d'obtenir un Pokémon fabuleux qui n'a pas été distribué depuis longtemps, et ce, sans limite de temps en plus. Et tenez justement, transition absolument incroyable! En parlant de Pokémon fabuleux sans limite de temps, vous vous rappelez au début quand j'avais insinué que le DLC était peut-être pas le dernier ajout de contenu? Bon, vous l'avez probablement deviné vu comment je l'ai dit, mais moins d'un mois après sa sortie, on a eu le droit à un petit épilogue centré sur un tout nouveau Pokémon fabuleux, Chaminus. Là aussi, je ne vais pas vous spoiler, mais juste... Bon, blague à part, c'était pas non plus le truc du siècle, fallait s'y attendre, hein, mais ça reste toujours mieux d'avoir un petit scénario annexe comme à l'ancienne pour obtenir un Pokémon fabuleux, plutôt que de devoir aller récupérer un vieux code dans un Micromania. Attends, par contre, y a un truc qui va pas là. Ça fait 5 minutes que je fais que des compliments, c'est pas normal. Faut vite que je trouve un truc à critiquer, là, je peux plus tenir. Bah oui, maintenant on peut voler dans les airs. On peut voler, c'est nul à chier comme contrôle, mais on peut voler. C'est cool. Meilleur ajout du DLC. Non, en vrai, le meilleur ajout du DLC, je pense, c'est les nouveaux filtres là sur la caméra. Genre, tu vois, tu descends la caméra, tu prends une photo, et genre, ça te dit, choisissez un effet de photo, et tu veux pas mettre d'effet de photo, du coup, tu fais quitter, il te demande, est-ce que vous êtes sûr, vous voulez pas rajouter un effet de photo, vous pourrez pas le faire plus tard. Et tu dis non, et du coup, voilà, et ça prend du temps en plus, et ça, c'est vraiment le meilleur ajout, parce que le jeu était déjà trop rapide comme ça. Donc, vraiment, le fait qu'ils aient ralenti encore plus le jeu, avec après avoir débloqué ça, tu vois, avoir payé pour débloquer cette nouvelle fonctionnalité et qu'en plus ça ralentisse déjà un jeu déjà bien lent, en vrai trop bien, trop bien, vraiment meilleur ajout du DLC. Ah, ça va mieux maintenant. Non, plus sérieusement, faut qu'on parle d'un truc important. Il allait bien y avoir un moment où il allait falloir que je parle de la raison pour laquelle cette vidéo est tant que ça en retard. Et la raison, c'est ce truc. Une fois l'histoire principale du DLC finie, en allant parler à Madame Briard, elle nous parle du 19ème type pour l'instant réservé au Terra Cristal, le type stellaire. Et en plus de ça, elle nous indique que des Pokémon portant ce type ont été aperçus sous le dôme. Plus précisément, il y en a 16, ou 4 pour chaque zone. Plus tôt, j'avais déjà parlé de cet endroit et de son inspiration. Et pour ceux qui l'auraient oublié, la réserve naturelle, c'est une zone auquel on a accès dans Noir de Blanc 2 une fois qu'on a fini le Pokédex régional. Et là-bas, pas grand chose d'intéressant si ce n'est qu'on y trouve un petit Tranchodon shiny. Et je vous le donne dans le mille, c'est ici que se trouve le fameux Tranchodon de type stellaire, et qui, contre toute attente, n'est pas shiny lock. Donc dès que je l'ai appris, bah je suis directement parti chasser. Il n'y avait pas plus symbolique comme chasse pour conclure ces 100 heures. Est-ce que vous la sentez venir la douille? Allez, c'est parti! Bon alors déjà, impossible de réduire la proba, ni les sandwichs, ni le charme crova n'ont d'effet sur les Pokémon fixes, donc ça veut dire une chance sur 4096. Ça passe encore. Les resets sur Switch, c'est long, c'est lent, c'est chiant, c'est bugué, y a plus de raccourcis comme sur DS ou 3DS, et en plus de ça, bah y a une proba faible, mais pas inexistante, qu'il n'y ait même pas de Pokémon qui spawn après avoir lancé le jeu. Et quand ça vous arrive 3 fois de suite... Mais le pire du pire, c'est que pour reset un Pokémon fixe, il faut d'abord le capturer ou le mettre KO, puis sauvegarder et fermer le jeu, avancer la date de plus de 2 jours dans les paramètres, et le relancer en boucle. Sauf que pour les Pokémon Terra Cristal stellaire, je ne sais pas pourquoi, mais une fois capturé ou KO, et bien le Pokémon en question n'est plus garanti d'apparaître. Et au contraire, n'a plus que 25% de chance, tout comme 3 autres Pokémon qui, dans le 4 Tranchodon, sont Girafarig, Altaria et Pashmia. C'est génial! Déjà que c'était pas assez frustrant comme ça, en plus de ça, il n'y a qu'une chance sur 4 de tomber sur le bon Poké. Et la chance, on va dire qu'elle n'était pas avec moi ce coup là malheureusement. Attends, quoi? Non, ça y est. Non, dis-moi que j'enregistre. Dis-moi que j'ai lancé l'enregistrement. Oui, j'ai lancé l'enregistrement. Je l'ai poussé, c'était le dernier reset que je faisais de la journée. J'étais censé m'arrêter à 4850, mais genre je voulais faire un truc avant d'aller me coucher. Je viens de tilter que j'ai entendu le bruit, j'étais pas concentré dessus, vraiment je faisais des resets, mais je regardais juste si c'était shiny, et là je viens de tilter que j'ai entendu le schling 4889, et j'ai même pas ma cible, je m'en fous. J'ai un shiny, je vais enfin passer à autre chose pour l'instant. Hello. Bonjour. Il a juste le nez bleu. Ah bah voilà. Alors. Oui, 4889. En vrai ça va, je suis pas allé trop au-dessus de la proba. Let's go, c'est celui des 4 que je voulais le moins. De toute façon, fallait que je me contente de ça, vu que j'avais prévu de partir faire autre chose, que j'ai ma cible ou non. Et justement, j'avais gardé exprès un de mes aspects préférés du jeu, la complétion du Pokédex. C'est pas pour rien que les gens d'Arceus est mon jeu préféré. J'ai aussi fait la quête de Lithia pour débloquer les nouveaux paradoxes, quête qui n'était pas du tout galère d'ailleurs. Il est là-bas où il est... Attendez, mais j'arrive pas à trouver, hein. Mais il est où? Oh putain, j'ai pété mon crâne. Voilà, regardez, dans tous les cas il sort. Mais c'est quoi ça? Mais ça commence à me saouler là. J'appuie sur B. 1, 2, 3... Oh, ça a marché! Et pendant que je faisais la même chose sur ma version de Violet, j'en ai profité pour tester 2-3 trucs que je n'avais pas encore fait dans la salle du club de la ligue, comme la redécorer ou encore appeler des intervenants spéciaux. Toujours est-il que j'ai fini par faire évoluer les derniers Pokémon qu'il me manquait et échanger les autres paradoxes exclusifs à Violet, et voilà, mon dernier Pokédex de la 9G était enfin complété. Maintenant, bah... plus qu'à faire ce que je sais faire mieux. Allez, c'est parti! comment dire qu'il y a deux putains de shiny. C'est ça qui m'a étonné. Rhino féroce shiny. Non, non, je viens de riser sur un shiny. Non! C'est un shiny! C'est un shiny! Oui! Oui! What the fuck! What the fuck! Mon dieu! Qu'il est beau! Pardon petit toutou, je suis désolé. Mon dieu, qu'il est magnifique! 1254! Mais il est si beau. Regarde-moi ça. Mais c'est mon plus gros objectif de ce DLC et j'ai réussi à l'obtenir. Bon bah, voilà enfin cette vidéo, hein. Que dire à part que c'était complètement débile. C'est une vidéo qui a pris beaucoup trop de temps, y a rien de plus à dire. Au total, c'est une vidéo qui m'a pris plus de 3 mois à faire. On va dire à peu près un mois d'enregistrement, pour un total de 150 heures. Parce que oui, quand tu fais des resets là pour le Tranchodon, ça rajoute pas au compteur du jeu. Et moi qui pensais que ça allait être la partie la plus longue de la vidéo, et ben au final non, même pas. Parce que le montage en a pris beaucoup plus, environ 200 heures je dirais. Je crois que je suis allé un peu trop lent avec cette vidéo, y a pas d'autre mot pour la décrire. C'est un peu débile à dire, mais je pense qu'il y a un moment où je me suis juste laissé aller par la vidéo et je pensais réellement pas en arriver là et réussir à la sortir un jour vu comment je l'ai sous-estimée et qu'à chaque fois que je terminais un truc je me rendais compte de la charge de travail qui restait à faire derrière. Mais bon, elle est là, elle est finie, c'était complètement stupide mais je suis content. Bref, je veux pas plus m'attarder sur cette vidéo, elle a déjà pris assez de temps comme ça. J'aimerais quand même terminer par des remerciements, à commencer par mes modérateurs qui sont là quand moi je le suis pas vraiment, donc merci beaucoup. Merci aussi à ceux qui soutiennent la chaîne, vos noms s'affichent juste là, ça aussi ça a été une grosse surprise de ce début d'année. Merci beaucoup à JB et Léo à qui j'ai cassé les pieds constamment ces dernières semaines en leur demandant à H24 leur avis sur la vidéo au cours de sa progression, donc désolé et encore merci. Et puis merci aussi à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sur ces belles paroles, moi je vous laisse, je vais aller dormir un petit peu. Merci pour tout encore une fois, moi je vous dis à la prochaine, c'était Flemme, ciao.